Bonsoir, amis de Sabbat Délices. Quel bonheur de vous retrouver après une semaine de labeur. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? C'est Sabbat, le jour que notre Père a mis à part pour nous. Nous sommes dans la joie. Manifestons notre joie, notre reconnaissance, comme le psalmiste au psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, Dominique? Oui, Sylvie. Dieu aime quand nous sommes joyeux. Il nous appelle à manifester sa joie dans nos vies. Alors, amis de Sabbat Délices, réjouissons-nous, car notre Père nous a créés pour être heureux. L'apôtre Paul nous l'assure dans Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Quelle espérance! Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette paix et cette joie que tu nous accordes. Toi seul es capable de nous la donner, cette vraie paix, cette joie. Merci d'être celui qui fait de nous des hommes et des femmes qui soient dans la joie et dans l'allégresse, particulièrement ce jour sanctifié. Nous voulons avec nos faibles mots te témoigner notre reconnaissance pour cette semaine passée. Tu as pris soin de nous, tu as pourvu à nos besoins et encore aujourd'hui tu nous rappelles ô combien tu nous aimes et ô combien tu veux nous voir heureux. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que ton règne vienne, éternel mon Dieu. À tous ceux qui sont dans l'errance, tous ceux qui sont dans la souffrance, nous avons une pensée toute particulière pour chacun d'entre eux, afin que tu leur apportes tout comme à eux cette paix et cette joie que toi seul peux nous procurer au travers de Jésus-Christ, ton Fils. Nous voulons te dire merci encore une fois de plus et remettre entre tes mains, Père, ce moment de partage et d'adoration. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Chaque heure, oh Jésus.
Amis de Sabbat Délices, aux événements de la vie, Jésus a toujours fait preuve d'une paix remarquable. Pensons au récit où les disciples font face à une tempête encore jamais vue, menaçant l'embarcation de couler avec son équipage. Que fait Jésus? Il dort en paix. Dans Jean 14, au verset 27, nous lisons « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix, Dieu te l'a déjà donnée, mais encore faut-il la garder précieusement. Encore faut-il l'expérimenter. Dieu est là pour nous soutenir. Il est notre roc, notre bouclier. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, quelles que soient les épreuves qui te semblent insurmontables, Dieu, notre Père, nous dit, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Psaume 131. Cantique des degrés, de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Sans lui, ma vie n'a soudain plus de prix. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. C'est mon trésor, ma vie, mon réconfort. Prenez-moi tout, mais donnez-moi mon amour. Sans ses caresses, je me sens défaillir. Prenez-moi tout, mais donnez-moi mon Jésus. Sans son amour, je ne puis que mourir. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Sans lui, ma vie n'a soudain plus de prix. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. C'est mon trésor.
ma vie, mon réconfort. Tu m'as volé ma joie un jour dans le noir. Tu m'as volé ma paix dans le brouillard. Tu m'as volé mes biens, ma famille, mes amis. Je n'ai plus rien, je me débat en vain. Tu m'as volé ma vie, ma réputation. Tu m'as volé sans pitié, sans raison. Tu m'as volé mon argent, ma profession. Je n'ai plus rien, je poursuis mes envies. Je n'ai plus rien, mais laissez-moi mon sang. C'est vrai, je me sens bien. Prenez-moi tout, mais je verrai mon amour. Même quand je pleure, il sait me câliner. Je n'ai plus peur, car auprès de mon sauveur, même dépouillé, il reste mon seul bien. J'irai là-haut pour toujours, je le verrai. J'ai tout perdu, mais là-haut j'aurai tout, plus que ma vie. Je sais qu'il revient bientôt. Jamais nous ne serons séparés, plus jamais. Mais tournez-moi, Jésus. Prenez-moi tout, mais tournez-moi, mon Jésus. Prenez-moi tout, mais donnez-moi Jésus. Dieu ne nous demande pas de rester dans l'immobilisme ou une quiétude à toute épreuve. Il nous demande de prier avec ferveur afin d'être investis de cette paix, de sa paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il faut recevoir la paix que Jésus nous propose en lui confiant nos inquiétudes. C'est ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Notre lendemain ne nous appartient pas. Pourquoi s'en soucier ? Dieu ne nous a-t-il pas promis d'être avec nous et de diriger notre vie si nous le voulons? Pour connaître et garder cette paix profonde, choisis de faire confiance à Dieu. Choisis de croire en son amour et en ses plans, en ses projets pour ta vie. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est le jour du repos de l'Éternel. Et permettez que je vous souhaite
un excellent sabbat. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 et 9. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Et c'est Paul qui parle ici. « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Cette réflexion, nous l'aurons en deux parties. La première partie, nous allons développer du moins la prière relationnelle. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous réconforte et aussi qui nous permet de continuer à avancer avec toi. Merci aussi Père parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Voilà, l'apôtre Paul nous dit très clairement qu'il a prié trois fois parce qu'il avait un problème de santé, il avait une difficulté. Chers amis, l'expérience de l'apôtre Paul nous permet de comprendre et de réaliser que le Seigneur est prêt à recevoir nos requêtes, à recevoir nos doléances, que l'Éternel nous écoute et nous entend, et dans son immense amour, il est prêt aussi à répondre à nos prières. Mais reconnaissons une chose, c'est que la prière en elle-même n'est pas une fin en soi. La prière a pour objectif tout simplement de maintenir la relation avec Dieu. Vous savez tout comme moi que Dieu sait pertinemment ce qui nous tracasse, ce qui nous trouble, ce qui nous gêne. Et le Dieu de Paul savait très bien qu'il avait ce souci de santé et qu'il voulait tout simplement que Dieu puisse intervenir dans sa vie. Et Paul va s'adresser à celui qui est capable de faire des miracles, à celui qui est capable véritablement de répondre par l'affirmative à nos prières. En s'adressant à Dieu, Paul nous montre une chose qui est fondamentale, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Il y a quelqu'un sur qui nous pouvons faire reposer toutes nos requêtes, nos doléances. Et quel que soit ce que nous pourrions vivre, chers amis, il y a quelqu'un qui nous entend et qui nous écoute. Donc, le fait que Paul s'adresse à Dieu, son Père, est synonyme tout simplement de dépendance vis-à-vis de lui. Et nous faut comprendre, chers amis, que nous dépendons de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Certaines fois, nous pensons que par nous-mêmes, nous pourrions faire les choses. Mais non, chers amis, nous pouvons tout simplement nous tourner vers Dieu, comme Paul le fait par rapport à sa situation délicate, pour que l'Éternel puisse lui parler. Mais il le fait, chers amis, parce qu'il a une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que je précisais en préambule que la prière n'est pas une fin en soi. C'est la relation avec Dieu qui est une fin en soi. Cette prière que fait Paul, chers amis, il le fait parce qu'il est connecté avec Dieu et il sait pertinemment que ce Dieu à qui il s'adresse, ce Dieu est non seulement capable à la puissance, mais surtout ce Dieu à l'amour nécessaire pour intervenir dans sa vie. Et vous noterez avec moi qu'il a prié à trois reprises et après il n'a plus prié pour cette difficulté qu'il avait. Nous reviendrons la prochaine fois puisque, comme je vous disais, c'est une présentation en deux parties. Mais ce qu'il faut retenir, et j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions le garder à l'esprit, c'est que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Nous pouvons faire appel à lui, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, parce que ce Dieu nous entend et nous écoute. Maintenant, lorsque nous nous adressons à Dieu, et c'est ça, c'est la chose qui est certainement la plus importante, c'est que nous permettons à Dieu de répondre. Nous permettons à Dieu de nous faire sa réponse. Et c'est là, chers amis, que la chose devient un peu plus intéressante. C'est que je présente à Dieu ma requête, certes, mais j'attends sa réponse. Je compte sur sa réponse et je me dis que j'accepterai sa réponse. Parce que, chers amis, vous savez tout comme moi, nous pouvons avoir
plusieurs requêtes, plusieurs doléances, plusieurs souhaits. Et certaines fois, nous pouvons même confondre nos désirs avec nos besoins. Mais Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Quand je m'adresse à Dieu, je compte sur Dieu pour qu'il puisse, chers amis, prendre la meilleure décision, la décision qui serait en ma faveur. Et rappelons, chers amis, si nous l'aurions oublié, que la relation que Dieu a avec nous est une relation qui est fondée sur le salut, chers amis. Donc tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu entreprend envers moi, envers vous, c'est toujours dans un contexte de salut. Dieu ne nous accordera rien qui pourrait nous perdre parce qu'il veut absolument que nous puissions rester dans le salut qu'il a promis de nous accorder. C'est pour cela que lorsque nous prions, chers amis, nous, certes, présentons notre requête, mais aussi, chers amis, nous attendons de Dieu qu'il agisse de façon puissante, de façon sage, parce que ce Dieu m'aime par-dessus tout. Donc, n'ayons aucune crainte, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Nous pouvons lui parler, parce que lui parler nous permet de rester dans la relation avec Dieu. Et cette relation est importante, elle est fondamentale, et c'est une relation qui est ancrée dans le salut. Donc, par conséquent, vous et moi, lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous pouvons être certains que ce Dieu nous entend, que ce Dieu nous écoute et que ce Dieu est prêt à faire des choses admirables et formidables pour nous, mais toujours dans le contexte du salut, toujours dans ce qu'il a prévu de meilleur pour vous et pour moi. C'est pour cela que prier implique que nous dépendons de Dieu. Prier implique que nous acceptions la réponse de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va prier à 3 reprises et il ne va plus prier encore pour cette requête parce que Dieu l'aura répondu. La prochaine fois que nous serions ensemble, je vous propose de voir la réponse de Dieu. Et nous verrons la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu ensemble. Mais pour l'instant, chers amis, je vous invite, tout comme moi, à prier, à vous tourner vers Dieu, car il est celui qui est capable de faire de grandes choses pour toi et pour moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'expérience de Paul qui nous permet aujourd'hui de nous dire aussi que nous pouvons venir devant toi et te parler et surtout de savoir que tu nous répondras, que nous puissions être animés d'un sentiment de dépendance vis-à-vis de toi, que nous puissions faire confiance à ta réponse. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
garde ton calme au milieu de la tempête, parce que celui qui conduit le navire n'échoue jamais. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette quiétude et cette paix que tu nous portes au travers des difficultés, au travers des périples de la vie. Tu es celui qui nous permet de tenir ferme et debout. Au travers de nos inquiétudes, tu nous appelles, éternel Dieu, à ne pas sombrer en pensant et en nous appuyant sur nos propres forces qui ne sont que faiblesses. Mais tu nous appelles, éternel Dieu, à nous appuyer sur toi et à ne compter que sur toi. Au travers de chaque difficulté, au pied de chaque épreuve, éternel Dieu, tu es celui qui nous devance, qui ouvre la voie et qui nous rappelle, éternel Dieu, que tu es celui qui combat et qui a déjà combattu et vaincu sur chacune des difficultés de ces épreuves. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas, éternel Dieu, te faire davantage confiance? Il n'y a aucun domaine de la vie qui ne te soit inconnu et auquel tu ne saches porter de solution. Et avec ces mots, éternel Dieu, cette tendresse que tu nous portes, éternel, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toi et nous conforter dans ta parole qui vient sans cesse nous rappeler l'importance d'être en communion avec toi. Que ton amour, ta grâce et ta paix soient notre partage davantage chaque jour. Gloire et honneur te reviennent, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen. Des océans, cette étendue où je me noie. Tu es présent même dans le mystère. Les éléments et la nature. Et j'invoquerai ton Saint nom, garde mes yeux au-dessus des vagues. Quand les eaux montent, mon âme a soif de ta présence. Je suis à toi, tu es à moi. S'abonde dans les eaux profondes, ta main puissante sera mon guide. Mes craintes défilent et me font douter, mais tu n'échoues pas et tu gagnes toujours. C'est ton amour, qui inonde mon âme, inonde mon âme. Car tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert la voie et tu règnes à jamais. Tu me conduis et tu m'inspires ton plan divin. Laisse-moi marcher sur les eaux, là où tu me conduiras. Emmène-moi plus loin que je ne peux imaginer, et je témoignerai toujours en ta présence, ô mon sauveur. Tu me Tu m'inspires ton plan divin. Tu m'appelles à travers les vagues et les nuées. Tu me rends forte, tu me rends forte. Aucun mal ne peut mettre fin à ton amour.
Amis de Sabbat Délices, nous sommes heureuses d'avoir partagé ce moment avec vous dans vos foyers. Nous espérons que ces paroles feront leur chemin dans vos cœurs et qu'elles vous permettront de saisir à pleine main cette paix que Jésus nous a donnée. N'oubliez pas de liker, partager autour de vous votre émission préférée. Bon Sabbat Délices.